lazy gaze, reflecting on old things. When I realized my blinded eyes gave me Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a aimés et qui nous aime plus et qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui afin que nous puissions partager sa parole. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à une personne qui est peut-être dans les besoins, une personne qui a des inquiétudes, une personne qui a peur, une personne qui est découragée. Et je voudrais que cette parole te soit destinée pour pouvoir recevoir l'encouragement qui vient de notre Dieu, pour pouvoir marcher vers l'avant et pour pouvoir t'élever là où toi tu es. Bien-aimé, peut-être tu es à la recherche du travail, ou bien tu viens de perdre le travail, peut-être tu as des factures à payer et tu ne sais pas comment t'en sortir, peut-être tu as des problèmes dans le mariage, peut-être tu veux te marier, mais tu ne sais pas comment faire parce que depuis très longtemps tu as attendu, tu n'as pas encore trouvé celle ou bien celui qui peut s'unir avec toi dans cette union sacrée. Peut-être tu as des tests à passer, des interviews cette semaine pour le travail. Peut-être rien ne marche dans ta vie, tu as essayé plusieurs fois et rien ne marche. Tu as connu beaucoup de déceptions et parfois tu te demandes si Dieu existe, pourquoi tu es en train de traverser tout ce moment? Si Dieu réellement est au ciel, pourquoi ta situation ne change-t-elle pas? Bien-aimé, tu as connu beaucoup d'échecs dans tes entreprises. Parfois, tu as essayé, comme on l'a toujours dit, que non, il faut essayer dans la vie. Il faut combattre dans la vie. Tu as essayé, mais tu trouves que tu n'arrives pas à réussir. Tu connais toujours l'échec. Bien-aimé, il y a des inquiétudes qui se sont installées maintenant dans tes pensées. Je voudrais aujourd'hui que tu puisses recevoir un message qui vient de l'Éternel, ton Dieu. Dieu veut te parler directement. Je voudrais que nous puissions lire un verset biblique dans le livre des Philippiens, chapitre 4 et verset 6. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins avec des supplications, avec des prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Mais bien-aimés, les inquiétudes viennent de la peur que tu as maintenant dans ton cœur. Et quand tu as la peur, il y a l'incertitude. Quand tu as la peur, il y a des stress qui s'installent. Et tu n'arrives pas parfois à dormir. L'angoisse, la tristesse. Et parfois, tu es même dans les paniques. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle pour toi. Dieu te dit que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas là où vous êtes. Mais bien-aimés, nous avons un Dieu là au ciel qui est capable de répondre à nos besoins. Mais la seule chose que Dieu veut, il dit que nous devons prier. Nous devons nous adresser à lui par des supplications et par des prières. Bien-aimés, quand Dieu nous demande de prier, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas notre situation. Il connaît ta situation très bien. Mais Dieu veut tout simplement voir si tu lui fais confiance dans cette situation à laquelle tu traverses aujourd'hui. Si tu lui fais confiance afin qu'il puisse agir. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons faire de l'Éternel nos délices. Et nous devons mettre en lui toute notre confiance. Et si nous mettons notre confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons recommander notre sort à lui et notre Dieu agira. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses saisir cette parole de foi, que tu puisses comprendre que l'angoisse, la tristesse, le stress, les paniques qui t'assaillent maintenant, ces choses-là doivent partir au nom de Jésus-Christ parce que Jésus a donné une parole. David dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner le repos aujourd'hui, bien-aimé. La peur, parfois, elle cause des maladies psychosomatiques. La peur est à la base de certaines maladies. Lorsque tu as des soucis, tu as des problèmes et tu ne sais pas comment faire, lorsque tu sens comme si tout va s'écrouler sur toi, bien-aimé, la peur peut engendrer des maladies psychosomatiques dans ta vie. Il y a même ceux-là qui sont allés même à perdre leur vie. La peur a causé une crise. Ça peut être la crise cardiaque, cardiovasculaire. Ça peut être l'AVC, comme nous savons. Bien-aimé, tu peux perdre même un membre de ton corps. Deviens fragile. Un membre de ton corps devient inerte. Pourquoi? Parce que la peur s'est installée en toi et cette peur-là peut causer des maladies qui n'ont pas de médicaments. Bien-aimé, je sais que parfois quand tu t'inquiètes, tu as l'habitude peut-être de prendre les médicaments avant de dormir. Les médicaments ne peuvent pas donner la solution durable. Tu peux dormir, mais lorsque tu vas te réveiller, tu te retrouves toujours dans la même situation. Les pensées reviendront encore. Et tu verras que tu vas foncer encore dans le noir, tu vas foncer encore dans le trou. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu comptes plus sur la parole de Dieu qui dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications à Dieu. Faites connaître vos besoins. Dieu connaît très bien, je le répète encore, il est le maître de toute situation. Il connaît ce qui se passe dans notre vie. Mais il veut que nous puissions lui faire confiance. N'est-ce pas nous comptons sur les gens qui nous entourent? N'est-ce pas nous comptons sur les médicaments que nous prenons? N'est-ce pas? Il y a des solutions. Il y a plusieurs raisons que nous trouvons ailleurs. Aujourd'hui, le monde est bourré d'informations. Vous allez suivre la télévision. Il y a la télévision, il y a les journaux qui parlent, il y a les magazines qui donnent parfois des solutions aux inquiétudes, qui donnent des solutions au découragement, qui donnent des solutions à la peur. Mais bien aimé, mais toutes ces solutions-là ne peuvent pas vous donner des résultats que vous espérez. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui est capable d'agir dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut te donner une solution durable. Je voudrais que tu puisses saisir cette parole dans ta vie aujourd'hui parce que Dieu est au point de faire quelque chose. L'homme peut venir aujourd'hui t'encourager. Oui, c'est bien. Il y a certaines paroles. Quand quelqu'un viendra te dire, il te dit que non, ne t'en fais pas, tout ira mieux. Mais il s'en va. Tu restes avec le même problème. Oui, les gens peuvent venir avec des paroles consolatrices. Bien-aimés, mais je voudrais tout simplement que tu puisses comprendre que il n'y a que Dieu qui peut consoler ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Il a dit que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, avec des supplications. Et voilà, nous ici à la fontaine de la vie, nous prenons le temps pour prier. Parce que nous savons que la prière, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour être en communication avec lui. La prière, c'est un seul moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir chasser tout ce qui est de l'ennemi dans notre vie. La prière, c'est le seul moyen qui peut nous donner la paix et la joie dont nous avons besoin. Aujourd'hui, je voulais que tu saisisses ce message et que tu puisses avancer avec Dieu. Il y a peut-être des paroles qu'on t'a donné, des paroles de découragement, et ces paroles-là t'ont enfoncé encore dans les trous noirs et tu n'arrives pas à te relever. Pourquoi? Parce que quand tu te rappelles de ce qu'on t'a dit, tu te dis, la vie n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, dis que c'est ma saison. Ta vie a des sens aujourd'hui. Ta vie a un sens. C'est Dieu qui doit te relever. C'est Dieu qui doit te donner la force maintenant afin que tu puisses marcher. Bien-aimé, on avait adressé une parole méchante, une parole de découragement à Élie. Élie, un homme puissant qui avait fait l'espoir devant le prophète de Baal. Mais vous imaginez, Élie s'est commencé à fuir. Il est arrivé quelque part, il a laissé même son serviteur parce qu'il avait peur, parce qu'il était découragé. Mais
nous voyons que dans sa peur, Dieu était venu pour les consoler avec sa parole. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu te console là où toi tu es. Dieu est le vrai consolateur. J'aimerais que la parole de Dieu te relève aujourd'hui. Lorsque tu es dans les problèmes, bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu commences à louer l'Éternel parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Notre Dieu est capable, il ne faut jamais le limiter, quelles que soient les paroles que les gens ont prononcées contre toi. Bien-aimé, il ne faut jamais même penser à cette parole-là parce que Dieu est sur le point d'agir. Amen. Et quand Dieu s'élève, qui pourra condamner les élus de Dieu? Toi, tu es un élu de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Toi, tu as été choisi par l'Éternel. Toi, tu es la pierre aussi. Bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu te dises maintenant que ça, c'est ma saison. Rien ne peut m'arrêter. Cette année, c'est une année où Dieu va réaliser de grandes choses. Au début de l'année, peut-être tu disais que non, Dieu est avec moi, je vais voir la main de l'Éternel. Et jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore vu cela. Mais maintenant, cette parole est venue pour t'encourager, toi qui es dans le découragement aujourd'hui. Il faut que tu te lèves, il faut que tu marches avec l'Éternel, ton Dieu. Mais Élie avait la chance de manger le pain qui était venu du ciel. La Bible nous dit qu'un ange était venu pour lui donner de l'eau, pour lui donner du pain. Bien-aimé, le pain, c'est la parole de Dieu. De l'eau, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. N'est-ce pas la Bible? Jésus, un jour, il a dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez boire aux eaux. Et quand il a dit cela, on dit qu'il parlait ainsi de ceux qui croiraient en lui. Il devait recevoir le Saint-Esprit car l'Esprit n'était pas encore donné. Bien-aimé, il faut venir maintenant voir aux eaux. La fonte de la vie vous donne maintenant l'eau de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais que cette parole te fortifie là où toi tu es. Il faut quitter maintenant l'état de la peur. Vous savez, Job était dans la peur. Chaque fois qu'il donnait des offrandes, il se disait, je donne des offrandes parce que je ne sais pas ce qui peut arriver à mes enfants. Mais lui-même, il a dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Aujourd'hui, il ne faut jamais craindre parce que ton Rédempteur est là. Ton Rédempteur se lève maintenant pour agir dans ta vie. Il ne faut jamais avoir peur là où toi tu es. Lorsque tu es dans la peur, il faut dire que non, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Il est capable d'agir dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, la peur amène des maladies. La peur peut causer même la mort d'une personne. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses comprendre cela. C'est ça le message qui t'est destiné. C'est ça le message que Dieu a mis dans mon cœur afin que je puisse partager avec vous. Bien-aimé, lève-toi et marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons des anniversaires, mais ce n'était pas le cas pour Job. Job avait même maudit les jours de sa naissance. Si vous lisez dans le livre de Job, chapitre 3, vous commencez à partir du verset 3 jusqu'à 16, vous allez voir cela. Job avait maudit même les jours de sa naissance. Mais nous, aujourd'hui, nous fêtons les anniversaires. Quelle que soit la souffrance que nous n'avons jamais atteint le niveau de Job. Mais aujourd'hui, il faut dire que mon Rédempteur est vivant. Il célébrera le dernier sur la terre. Ton Rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il faut penser à Jésus. Il faut le louer tous les jours dans ta vie. Et tu verras que notre Dieu ne t'abandonnera jamais. Il finira par agir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et je crois que ce message que tu as reçu, tu vas le partager avec d'autres personnes. Parce que le Seigneur t'aime beaucoup. Laisse-moi maintenant prier pour toi un tout petit peu là où toi tu es. Notre Dieu, je te dis merci parce que toi, tu as vu les soucis de mon bien-aimé qui a suivi ce message. Dieu de gloire, j'aimerais que toi, tu marches maintenant avec lui. Oh papa, il te fait confiance, Seigneur Jésus-Christ. Les gens que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de plus fortes raisons votre Père vous donnera l'Esprit si vous le demandez? Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons qu'à cet instant, toi, tu donnes maintenant l'Esprit Saint qui va fortifier ton peuple qui a suivi ces messages, Seigneur Jésus-Christ, en haut des gloires. J'aimerais que tu sois avec eux. J'aimerais que tu marches avec eux, Seigneur Jésus-Christ, en haut des gloires. Merci pour la réponse que toi, tu donnes à mon bien-aimé à travers ces messages, Seigneur Jésus-Christ, en haut des gloires. Jésus, que c'est moi, Seigneur Jésus, que ce soit un mois de bénédiction, le mois de bénédiction, que tout celui qui a écouté ce message reçoive selon la richesse de ta gloire, Seigneur notre Dieu. Bon et bon roi, essuie les larmes de ton peuple maintenant. Essuie maintenant les larmes de ton enfant maintenant qui a suivi ce message, ô Éternel des armées. Papa, nous t'avons ainsi béni, nous t'avons ainsi exalté.
Et tout ceci en ton nom puissant, qui est au-dessus de tout nom, nous disons Amen. Daisy gaze, reflecting on old things. When I realized my blinded eyes gave me